Re les amis pour l'épisode 2, donc je me suis décidé et ce sera un pack qu'on va s'ouvrir, d'accord? Un petit pack. Donc là je vais juste reculer mes displays. Comme ça nous laisse un petit peu plus de place. Et voilà. Donc là j'ai ma petite SP. Donc on va s'ouvrir ça. Et let's go, j'ai mes sleeves ici. Alors, allez-y, franchement, c'est un peu dur. Hein. Donc, il faudra vraiment un ciseau. Allez, on ouvre ça. Voilà. Comme à l'ancienne. Bon. Par contre, là, la question, c'est comment sortir la carte sans l'abîmer. Donc, là. On va déjà. Ah ouais, d'accord. Ok. Elle a envie de booster. Ok. Là, ce qui me pose vraiment problème, c'est vraiment la carte. Ok. Faudrait que je coupe sur les côtés. Par contre, faites très attention, ça coupe, hein. C'est vraiment des plastiques très très comment dire. C'est vraiment pas des plastiques souples, hein. C'est vraiment très rigide, très dur. Là, je fous ça à la poubelle. Hop. Donc. On a une jolie carte LR, c'est ça. Voilà, c'est une carte promo LR de Naruto. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est Black Gold avec un petit effet en kanji chinois. Hop. Donc ça va aller sous sleeve. Voilà. Donc ça rentre dans les sleeves Pokémon, ultra pro simple. Ça, même si ça nage un peu, vous avez des sleeves perfect, comme on dit, perfect sleeves qui sont collés aux cartes asiatiques. Mais clairement, ça fait l'affaire. Donc là, petit booster Naruto. Et en fait, ce qui est bien avec ces boosters, c'est qu'ils sont bien faits. Franchement, même en garder scellés comme ça ou pour la déco, c'est vraiment pas mal. Donc on va essayer de ne pas déchirer. Il dit bien essayer. Hein. Après moi, vous savez, déjà avec Pokémon, j'ai du mal. Voilà. Je vais le prendre comme ça parce que j'ai pas envie. Complètement, j'ai envie de le garder en fait. Hop là. Voilà, tu gardes comme ça, t'es bien. Ciao. Bon. Et je découvre en même temps que vous, hein. C'est ça qui est bien, c'est ça la magie de YouTube et c'est ça la magie de découvrir des nouvelles choses. Donc on a Gamakchi en R et vous voyez le R, il est brillant. Alors je sais pas s'il y a des R non brillants, mais il est un peu brillant. Bon, c'est pas un truc de fou, mais voilà. On va poser celui-là. Donc là on a Lee. Et là on a un SR, si je me trompe pas. C'est Kushina, c'est ça? Wouah! Une AR! Et merde, je me suis spoil. Donc, une SR. Et une AR. Elle est jolie en fait. C'est pas un personnage que je connais, ça. Je crois que c'est dans Boruto. Ouais, j'ai pas suivi trop Boruto, quoi. Je suis plus Team son père en fait. Mais vous voyez, ça, c'est aussi une ultra rare. Voilà. C'est une AR, c'est une ultra rare. Je dirais qu'elle est en dessous de la SP. C'est mon avis. Et là, nous avons. Ok, nous avons les HR. Donc, ça, c'est en fait les trucs 3D, vous voyez. Vous changez le. Ça, enfin bref, c'est. Voilà. Des 3D bizarres à l'intérieur.
Voilà, donc celle-là, ça va aller direct sous le sleeve. Déjà là, le taux de drop, il est pas mal, hein. N'est-ce pas, Pokémon Company? Donc là, nous avons celui-ci. On va laisser de côté. Donc je pense que dans les prochains épisodes, on va faire que les tripacks et après on commencera les displays. Allez, ouvre-toi. Voilà. Hop là. Alors, Naruto en R, Kankuro, si je me trompe pas. Ou SR avec les Ginkaki, là, je sais pas quoi, là, les deux frères, hein. Comme par hasard, qui ont combattu le deuxième Hokage, Nindaime. Ouah, une SSR, Tsunade jeune. Je sais plus si c'était la troisième guerre ninja ou la deuxième. Voilà, je crois que c'était la deuxième. Pas mal, franchement. Vous voyez, même les SSR, hein, sont. On va faire un comparatif. Le SR, bah déjà il brille mieux que le R. Mais le SSR encore plus. Et puis les autres au-dessus. C'est autre chose aussi. Et donc là. Ok, guy. Allez. Maito guy. Ok. Donc franchement, mettez des sleeves à partir des SSR, quoi. Hein, en dessous, direct dans l'album, quoi. Vous pouvez le mettre comme ça, sans sleeve. Après, c'est vous qui voyez. Allez, on passe à l'autre. Ouvre-toi. Et ça fait plaisir. Voilà, ça c'est des choses qui font plaisir à ouvrir parce que c'est pas cher. Contrairement à Naruto, contrairement à Pokémon, laisse tomber. Alors, une R Tenten. Sakura petite. Et Bissu, je crois, si je me souviens bien. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Naruto. SR et Bissu. Oh là là, SR Kakashi. Magnificos. Gringos. Ah ouais. C'est le loup blanc. Il est magnifique. Magnifique. Voilà. Ensuite. Bah, j'oublie son nom à elle. Ah, SSR. Voilà, ça c'est vraiment la rareté basique que vous allez trouver dans quasiment chaque booster. Je crois à partir du 2 yuan, si je me trompe pas. Ou du celui qui est à 3 yuan, mais on verra. 4, 5, c'est sûr. Donc ça c'est vraiment les basiques par booster. Voilà, il y a celui-là. Ensuite, on va faire le dernier. Naruto. Hokage. Donc. Sakura. Ah, j'ai oublié son nom. En plus, il est important. C'est le maître de Naruto, celui qui a cru en lui au début. Ah, j'ai oublié. Ah, maître Iruka, je crois que c'est Iruka Sensei. Hop, ensuite. Naruto en SR, petit. Voilà. Et un UR. Voilà, Kiba, UR, après vous avez OR je crois aussi, donc ça c'est vraiment celui qui est au-dessus de SSR, et après vous avez les AR. Et puis là on a bah, le gars des sables, j'ai oublié son nom, un Junin. Vous voyez dans un petit tripack comme ça, enfin un petit coffret, on a quand même eu. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. Voilà, on a eu ça. Le SSR Kakashi.
Tsunade et le AR. Et vraiment, ça rachète le coffret. Clairement, le UR, celui-là, ça rachète le coffret. Donc voilà, les amis, l'épisode 2 est terminé. Et puis, on fera un autre tripack dans quelques jours. Voilà. Allez, je vous dis à plus. Ciao, ciao.